À l'école Al-Houda, il va se passer quelque chose de spécial. En fait, on est venu vous annoncer, Madame Abla, Monsieur Brahim, Madame Ouafa, Madame Horace, Monsieur Ali et moi, qu'on va faire un grand voyage. On va faire un voyage imaginaire. On va aller vers le... Lille de la paix. Oui, bravo, vers le Pacifique. L'île de la paix. Oui, vous savez ce qu'on va faire pendant ce voyage? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? On va apprendre à faire la paix. On va apprendre à faire la paix les uns avec les autres. À régler nos chicanes. Est-ce qu'il y a beaucoup de chicanes dans votre classe? Non. Non, il n'y a pas de chicanes. Alors, notre voyage va être facile avec vous alors. Et vous savez, il y a une personne spéciale qui va nous aider à faire ce voyage. Regardez, elle va nous accompagner tout au long de son voyage imaginaire pour nous donner des petits trucs pour qu'on y ait toujours la paix entre vous et pas de chicanes. On essaiera d'éviter les chicanes. Est-ce que vous avez une idée comment s'appelle notre guide? À quoi ressemble notre guide? Ça vous rappelle rien? On en rappelle avec la feuille. Oui, avec la feuille. Elle s'appelle Madame Pacifique. D'accord? C'est elle qui va nous accompagner pendant notre voyage. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Vous êtes prêts à faire ce voyage? Oui. Ok, alors on va cet après-midi. Monsieur Ali va vous contacter à travers le petit micro là pour vous dire de descendre tous, on va tous descendre ensemble en bas pour commencer le voyage. Il va y avoir plein de petites surprises. Ouais. Ok? Comment s'appelle notre guide, madame? Pacifique. Merci les amis, bye bye. Magique à l'école. Je sais, parce que c'est la fête. Oui, presque, c'est presque une fête. Madame Abla, Madame Horas, Madame la maman de Haïdan, Monsieur Ali, Monsieur Brahim et moi, on vient vous annoncer qu'on va commencer un voyage. On va partir en voyage. On va faire un voyage imaginaire vers le Pacifique. Et vous savez ce qu'on va apprendre pendant ce voyage? Est-ce que vous avez une petite idée? On va apprendre à faire la paix les uns avec les autres. On va apprendre à régler nos chicanes. Est-ce qu'il y a beaucoup de chicanes dans cette classe? Non? Oui. Ok, alors, il y a une personne spéciale, un guide qui va nous accompagner pour nous donner des petits trucs, des petites astuces pour apprendre à régler nos chicanes. Il va participer, Monsieur Ali, mais en fait, vous avez un guide spécial qui s'appelle Madame Pacifique. Bonjour, Madame Pacifique. Est-ce que vous avez la On va apprendre à la connaître pendant le voyage, d'accord? Quand j'étais à la maternelle, j'ai appris ça. C'est vrai? Ok, alors tu la connais un petit peu. Elle est où? Ah, peut-être qu'elle est cachée derrière les portes. On ne sait pas. Mais cet après-midi, Madame Pacifique et nous tous, on va vous inviter à commencer notre grand voyage. Il va y avoir plein de petites surprises. Ali va nous contacter à travers l'intercom, ok? Puis il va nous dire quand est-ce qu'on va commencer notre voyage. Aujourd'hui, c'est le premier jour, d'accord? Oui. Donc n'oubliez pas, on va apprendre à faire la... Pacifique. La paix. La paix. D'accord? Bye bye les amis. Bye. Bye.
Bonjour les amis. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Ça va bien? Tu vois un billet. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on est là? Oui. Alors pourquoi à votre avis? Pour régler les conflits pacifiquement. Bravo. Donc écoutez, on est là. Il est là monsieur Ali, moi Ibrahim, madame Amel, madame Auras, madame Wafa, madame Abla. On est un comité ici, dans votre école ici. On est là pour faire aujourd'hui le lancement d'un voyage, le lancement d'un programme qui est appelé Vers le Pacifique. Vers le Pacifique. Vous savez c'est quoi le Pacifique? Oui. C'est quoi? L'océan Pacifique. C'est... Exact, la paix, donc vers le Pacifique, donc on va voyager, on va apprendre à, c'est-à-dire à régler nos conflits entre nous. Les conflits, vous savez que tout le monde a des conflits. Les conflits, c'est pas, on va pas dire que les conflits sont toujours négatifs, ils peuvent être positifs parce que parfois on apprend à partir des conflits. Mais le problème c'est que si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes, c'est là où ça devient un petit peu difficile. Ça va nous amener à des choses, à des gros mots, à des chicanes, à de la violence. Donc pour ça, on est là. Donc ça c'est Madame Pacifique, donc le symbole de notre programme, Madame Pacifique. Elle va nous accompagner tout au cours de ces mois-là qui vont venir pour apprendre à régler nos chicanes, etc. Donc aujourd'hui, donc on va vous appeler à travers M. Ali, on va vous appeler à travers Intercom, de descendre en bas pour assister à ce lancement de ce programme-là. Ok? Est-ce que... Oui? Je connais Madame Pacifique depuis la maternelle. Oh, ah, depuis la maternelle. Je vous donne juste un petit exemple de conflit qui peut arriver, par exemple. Imaginons une balançoire dans un coin de la cour, par exemple. Il y a juste une balançoire. Alors toi, tu es venu avec ton ami là, alors il y a avec, alors lui il veut tout le temps sortir dehors et moi je veux tout le temps le garder à la maison. Alors, c'est un conflit, mais si je viens, écoute, et toi tu vois, je vais te laisser sortir chez ton ami une fois par semaine. Est-ce que c'est correct? On me dit oui, c'est correct. La même chose avec ma femme. Si je viens, moi je vais toujours manger quelque chose pendant la journée et elle il veut manger autre chose. Ah non, moi je veux manger ça. Non, elle, il faut s'entendre. Alors on va dire, écoute, aujourd'hui on va faire ça et demain on va faire... Donc les conflits c'est normal, donc c'est pour ça qu'on est là pour vous aider, pour apprendre des choses, pour vivre dans la paix. Ok? Allez, je vous souhaite bonne journée. Le jour de lancement c'est aujourd'hui, après-midi, Monsieur Ali va vous contacter par Interpol. C'est sûr que vous voyez qu'on a... mis des t-shirts un peu spéciaux au coin où votre ami Bachir dit waouh, c'est impressionnant. Bon, ces derniers mois et peut-être la réflexion depuis l'année passée, on a remarqué qu'à l'école, à l'intérieur de notre, au sein de notre école, des fois il y a des conflits qui débordent et ça devient des conflits négatifs. Ça veut dire que ça devient des gros mots, peut-être même des coups. Des fois des mots, des paroles qui blessent. Et ça, c'est des conflits qui peuvent faire mal à vos amis. Ils peuvent faire mal même à ceux que vous ne croyez pas. Vous croyez qu'ils sont forts, ils ne ressentent rien. Bonjour, même, bonjour, ça va bien? Oui. Madame Horace a décidé de vous annoncer qu'elle a annulé votre évaluation d'histoire géographique. C'est pas ça la surprise, c'est une autre surprise. Alors bonjour tout le monde. C'est bien. Vraiment une surprise. Alors, aujourd'hui on s'est regroupés, Monsieur Ali, Madame Abla, Madame Wafa, Monsieur Ibrahim, Madame Amal et moi. On forme un comité pour lancer un programme spécial qu'on va appliquer dans notre école. C'est quoi ce programme? Le programme s'intitule Vers le Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire vers le Pacifique? C'est un trajet qu'on va parcourir ensemble, tous ensemble. Vers.
le Pacifique, vers, en cherchant d'autres moyens pour régler nos conflits, pour régler nos problèmes, pour régler nos chicanes. Le slogan pour ce programme, c'est tous ensemble. Halte au conflit, ça veut dire on arrête les conflits. Pourquoi ? Pour les résoudre. Comment ? D'une façon pacifique, efficace, en paix, sans problème, sans chicane. À travers ce programme, on va chercher à comprendre nos... Qu'est-ce que tu veux? Hein?